Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à Automobilista 2, je vais vous faire découvrir une catégorie que j'ai un peu laissée de côté depuis le début, que j'ai juste vue en passant. C'est la Mitsubishi Lancer Cup. Il y a deux voitures dans cette catégorie. J'avais un peu essayé au début, ça ne m'avait pas plu, mais là, ça a un peu changé. Je viens d'essayer. On va aller dans le jeu, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les voitures, et vous allez voir que c'est devenu très très fun à piloter ce genre d'engin. La Mitsubishi Lancer Cup, donc j'ai deux voitures, je vous l'ai dit, dans cette catégorie. Alors, la première, c'est celle-là. Boîte en H à 5 vitesses, 1490 kg, 300 chevaux. Les skins, je vous les montre, mais ils sont hyper moches. Voilà. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. Quelle horreur. Alors, je ne sais pas si c'est les vrais skins de la Cup, mais. En Europe, j'ai pas entendu parler du coup comme ça. Non, sérieux. Vous les avez fait faire des gamins de CP, ces trucs. C'est pas possible. Ou par les mecs de Codemasters. Qui font des skins bien pourris aussi. Bon, bref. Allez, on prend celui-là. C'est le moins moche. On va pas dire que c'est le plus beau, on va dire que c'est le moins moche. Et donc, ensuite, j'ai. Ouais, l'aileron est pas le même, hein, vous voyez. La taille des roues non plus. Ouais, la taille des roues est plus grande sur celle-là, non? Bon, donc celle-là est un peu plus évoluée puisque. Elle fait 30 chevaux de plus, même si elle pèse le même poids. Et la boîte n'est plus en H, mais à 6 vitesses séquentielles. La boîte en H en 5 contre la version R. Et boîte vitesse 6 vitesses séquentielles pour la version RS qui a elle aussi des skins bien moisis. Voilà. Non, mais comment c'est possible de faire des associations de couleurs aussi minables? Non, c'est pas possible. Mais c'est Gilbert Montagnier et Stevie Wonder qui vous ont fait le skin ou quoi? Non, c'est pas possible. Non, mais sérieux. Ah putain, mais. Ah, c'est du vomi ces skins. Ah ouais! Oh, c'est. Bon, elle est rouge, hein, unie, voilà. Ouais. On prend pas de risque. Donc, allez, on va commencer par essayer. Je vais pas faire de course avec, parce qu'il y a les deux voitures à essayer. Et parce que piloter ce genre d'engin, ben, ça prend toute la piste en fait. Donc s'il y a des voitures à côté, c'est pas extraordinaire. Donc allez, on va commencer par celle-là, la version R à la boîte à H. Et on va faire ça sur le circuit de Jerez en Espagne. Allez, on marche ce 4 cylindres japonais. Voilà, alors je vous l'ai pas dit, mais c'est évident. Hein, je pense que si vous intéressez un peu aux voitures, vous savez que ces voitures-là, on les a surtout vues en rallye. Et que ce soit bien évidemment des 4 roues motrices. Vous allez comprendre le fun. Voilà, vous comprenez déjà le fun du truc. Hein. Alors là, la direction est à 900 degrés, donc on tourne. Voilà, voilà le fun où il est. Et pourquoi il faut toute la piste? Ah, ça se pilote tout en glisse en fait. Ah, c'est génial. Bon, la cinquième par contre est pourrie, hein, la boîte est pas réglable. D'ailleurs, il y a très peu de réglages accessibles sur la voiture. Une voiture de groupe. Hein. Par contre, voilà, le trou entre la 4 et la 5, il est juste horrible. Avoir peur de remettre bien la savate comme il faut. Oh. Ah, c'est trop rigolo comme engin. C'est très sous-vireur si on pilote normalement. Donc pour contrer ce sous-virage, voilà, rien de mieux que de la mettre en glisse. Voilà, ça passe tout en glisse, vous voyez? Oh, c'est génial. Au début, c'était pas ça, elle était pas aussi fun à piloter. J'avais essayé les premiers jours de sortie du jeu et j'avais pas aimé, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Là, vraiment, là, c'est du fun à l'état pur. Hein. Après, il faut pas être trop enthousiaste et trop en vouloir parce que ça finit vite dans le sable. Hein.
surtout dans les virages lents. La tendance au sous-virage est très très marquée. Voilà, faut bien arriver au point de corde, voilà. On lève le pied, hop là. On lève le pied, on met un coup de volant, ça glisse. Et ça passe tout en contrebraquage, tout en glissade. J'ai abusé là. Ouais, là j'ai abusé. Vous voyez ? Hop là, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Là j'en ai trop voulu. Pas assez de chevaux pour entretenir la glisse. Bon, même si ça fait 300 chevaux, hein. Ah ouais ouais, non c'est vraiment très sympa hein. Moi j'aime beaucoup hein. Ah, et puis il faut pas se crisper sur les freins, sinon elle a tendance aussi à aller tout droit. Malgré qu'il y ait la BS hein. Pourquoi les pneus avant ils fondent hein. Et ouais je surbraque beaucoup donc comme là. Sous-virage, hein, le sous-virage. J'ai pas assez lancé un glissade là. Ah, c'est là où je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà, c'est mieux là. En train de jongler si tu veux entre le sous-virage et le sur-virage. Le sous-virage qui est très contrôlable hein, comme vous pouvez constater. Voilà, on passe en glisse assez facilement. Ah, je me crispe sur les freins à chaque fois, je prends trop large. J'essaye en deux, c'est pas bon. Il vaut mieux passer en. Ah, tu sens glisse sur le vibreur, c'est excellent. Ah, voilà aussi. Attention. Pas trop en faire. Voilà, bien, bien. Au fuel déjà. 4 litres autour. Ah, ouais, c'est un gros fou.
si tu la... Ah, si tu n'avances pas, mais ça le sourire. Hein. C'est horrible comme sourire d'ailleurs, plus avant d'ailleurs. Hein. Il témoigne de ce que je dis. Hein. Allez, on va se faire encore un tour. Ouais, j'ai plus beaucoup de carburant. La glisse. Voilà. Très, très bien. Ouais, les pneus ils fondent, hein. J'ai soupiré. Ah, c'est chaud l'empêche. Hein. Je le fais exprès là. Non, mais non, je le fais exprès. Allez, ça ira. On va passer à sa grande sœur RS maintenant. Oh, c'était rigolo, hein. Vous avez vu? C'est hyper fun à piloter. C'est festival de glisse, mais super simple, donc c'est super facile. Allez, on va voir, comme j'ai fait 2006, si je fais mieux avec la version RS, normalement, qui a 30 chevaux de plus et la boîte séquentielle, ça devrait pas poser de problème. Alors, la version RS, la version au-dessus, donc, hein. Voilà, cette fois, pas de boîte séquentielle, ça va être plus simple, et 30 chevaux de plus. Ça glisse pareil, hein. Peut-être un peu moins. Ouais, plus précise. Ouais, la direction est plus précise. Ouais, ce virage, il est là. Hop là, pas la barrière, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Hein.
la mettre à 2. Hein. Sur la précédente, à 2, je la mettais pas, mais ça, j'avais essayé, c'était pas bon. Elle est plus soumireuse. Je pense que je la lance pas assez en fait, ça. Elle est moins. Elle a moins tendance à glisser du train arrière à survirer que la précédente. Ça survient, mais c'est pas aussi marqué que la version R. Le survirage, par contre, il y en a plus. Hein, il faut plus la conserver ça dans les virages lents. Ça glisse quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va bien plus vite que la version R. Hein. Il y a 3 secondes. Au lieu de regarder le chrono, petit. Ah, c'est moins peu. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Il est plus feu à l'autre. Je me suis plus marré avec l'autre. Celle-là aussi, hein, elle est marrante, hein, comme vous pouvez le constater. Elle est marrante aussi, mais je vais faire l'autre. Le soupirage, il est là. Là, c'est là où ça s'ouvrira fort par rapport à la R. J'ai le plus de mal. Hop là, hop là, hop là, hop là. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. J'essaie de passer un pont, mais ça s'ouvre trop en fait. J'ai obligé quand même de lever le pied. J'ai obligé de lever le pied pour faire, de mettre un coup volant pour faire glisser, sinon ça s'ouvre trop. Si tu t'en vas dans le bac à sable.
aussi simple à faire glisser que... Alors c'est là où j'ai du mal. Ça glisse pas pareil, hein. Ça glisse, mais pas aussi marrant que l'air. Mais c'est quand même bien fun, c'est quand même bien rigolo, hein. Ouais, quand même, hein. Il y a quand même de... Moyen de bien passer en glissade aussi. Ouais, je vais pas m'énerver là. Bon, mais voilà, hein. Mais en fait, finalement, c'est des voitures hyper fun à piloter. Ça que j'ai calé, c'est hyper fun à piloter. Alors j'ai pas tenté la course, hein. J'ai pas tenté, il faudrait que je tente de faire une course avec pour voir un peu ce que ça donne. Bon, après vous avez vu au niveau du comportement, le sous-virage est très prononcé, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux jeter la voiture en entrée de courbe pour que l'arrière glisse et tout passer en glissade, ce qui est moins évident avec celle-là qu'avec la précédente. Bon, évidemment celle-là, elle est plus puissante, elle tient mieux la route, donc elle va plus vite, hein. Elle va 4 secondes de tour plus vite, ce qui est énorme quand même, hein. Mais l'autre est plus fun à piloter, je trouve, avec la boîte en H, je me suis plus marré avec. Donc ces voitures sont d'origine, de base dans le jeu, hein, il n'y a rien à payer, donc vous pourrez vous faire votre propre avis, vous aussi, si vous possédez un MS2. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez me soutenir en commandant du matériel Fanatec, utilisez le lien dans la description de la vidéo, et profitez-en pour visiter mes autres partenaires. Ciao! Mm-hmm.